Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. La voix du victime est terre lourde de détention alors que Talatou Diallo comparaît devant le tribunal criminel d'Indixim ce 3 mai 2023. Le 28 septembre 2009 était un jour que jamais il n'oublierait. Son bras blessé était enveloppé dans un bandage, mais son pied fracturé était ce qui le faisait le plus mal. Les bérets rouges avaient été impitoyables envers lui, allant jusqu'à brûler son pied et voler sa moto. Talatou Diallo raconta son histoire avec des tremblements dans la voix. Il avait été au stade deux fois ce jour-là. La première fois, il avait vu des policiers et des gendarmes aux alentours du stade, mais il était retourné au domicile de Selloum Daleng Diallo sans incident. C'était lors de sa seconde sortie pour le stade avec les autres qu'il avait rencontré le colonel Théoboro Camara au niveau de la Fondisse. La foule avait applaudi le colonel, mais tout a changé lorsque Théoboro a commencé à proférer des menaces contre la population. « Quittez ici, si vous ne quittez pas, on va vous massacrer, on va arrêter votre leader », a-t-il déclaré. Les enfants avaient commencé à crier « Théoboro 0, Dadis 0 » et la situation avait rapidement dégénéré. Talatou avait vu Moussa Théoboro Camara accompagné de deux gardes du corps, l'un en béret rouge et l'autre en béret vert. Il avait également témoigné que les bérets rouges avaient commencé à lancer des gaz lacrymogènes avant de tirer à balles réelles dans la foule. Toumba Diakité avait demandé au leader de venir le voir, mais avait affirmé ne pas avoir frappé sur quelqu'un. En revanche, Marcel Guilavogui avait été brutal avec des gens, selon Talatou. L'histoire de Talatou avait touché tous ceux qui avaient entendu son témoignage. C'est une histoire tragique qui montrait la violence aveugle des bérets rouges et des terreurs qu'ils avaient semées au stade du 28 septembre 2009. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.